Je crois que l'État a tout à fait sa place et qu'il y a de la place pour les projets collectifs, y compris des projets pilotés par les États. Mais en France, on oublie très souvent la part des citoyens. Et donc, ça s'applique à tous ceux qui sont dans cette salle. N'oubliez pas que ce monde du XXIe siècle, qui va être un monde de chocs et de risques, c'est aussi, pour les gérer, les États ne pourront pas tout faire. Il y a une place très importante pour les citoyens. Regardez les Japonais, ils ont un État qui est bloqué. C'est la population japonaise qui est en train de reconstruire le pays après le tsunami. Et c'est un exemple qui est tout à fait extraordinaire. Donc, je crois que c'est, moi, quelque chose que je retiens beaucoup. L'avenir à construire, oui, évidemment, il y a les États, oui, mais il y a la place pour les citoyens, pour leurs initiatives, pour leurs projets. Et donc, ne renoncez jamais à vos projets. Trois axes sur lesquels on doit travailler dans le futur pour construire notre avenir. Le premier, on en a parlé, c'est l'environnement. On peut considérer qu'il faut revenir au passé et s'allumer à la bougie. En fait, l'environnement, c'est le moteur de notre croissance. Ça va être le moteur de notre croissance. Et nous avons cette chance extraordinaire en Europe, qui est que nous avons à la fois une Europe qui veut développer, qui se donne les outils d'une croissance durable. On a des États qui le souhaitent et on a des citoyens qui sont mobilisés et qui sont consommateurs de produits durables. Si j'en prends un exemple, on a fabriqué un ultrason portable qui permet de venir soigner à domicile et de faire de la médecine à domicile. C'est à la fois du développement durable parce qu'on ne transporte plus les malades, ne va plus transporter les malades de la maison à l'hôpital. On fait aussi du soin à domicile avec des appareils qui communiquent avec l'hôpital. Tout ça, c'est des éléments qui font à la fois du bien-être et qui font bien au développement durable. Toute l'efficacité énergétique, on parle beaucoup du débat, est-ce qu'il faut du nucléaire, est-ce qu'il faut de l'éolien, est-ce qu'il faut du thermal, etc. On va avoir besoin de toutes les sources d'énergie. Ce qui est vrai, c'est que par exemple, à Belfort, nous fabriquons la nouvelle turbine qui va permettre de combiner toutes ces énergies. Et cette turbine, on l'a inventée en France, on l'a conçue en France et on va la fabriquer en France pour le monde entier. Et elle détient les clés d'une moins forte consommation énergétique. Et puis, il y a un élément qui est extrêmement important, qui est celui où nous, on a peut-être fait une erreur dans le passé, où on pensait qu'il fallait fabriquer des produits de plus en plus sophistiqués pour une clientèle de plus en plus sophistiquée. La réalité du monde de demain, c'est qu'il va falloir fabriquer des produits, certes, sophistiqués, mais extrêmement simple d'usage pour qu'il soit accessible à tous et surtout à bas prix. Donner de l'eau à tout le monde. Comme le challenge du monde de demain, c'est quoi? C'est qu'on va avoir 1 milliard de personnes qui vont prendre l'avion pour la première fois. C'est qu'on a 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est qu'on a 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à la santé. La révolution du capitalisme, c'est celle-là. C'est un capitalisme, c'est une économie de marché qui offre ses besoins vitaux à tout le monde. Alors pourquoi je suis optimiste? Parce que je pense que c'est le deuxième point que je voulais relever dans ce que disait ce monsieur, c'est que au fond, comme l'a dit Nicolas, en fait, l'avenir, il est entre nos mains. Nous ne sommes pas du tout impuissants. Quand on regarde ce que dit la presse, on a le sentiment qu'on est entre les mains des marchés, que de toute façon notre destin est perdu. Mais pas du tout. On a de l'or entre les doigts. On est dans un pays qui a une main-d'œuvre extrêmement performante. On a des infrastructures, on a des cerveaux, on a des intelligences, on a du savoir-faire, on a des secteurs sur lesquels on est leader. La preuve en est, c'est que moi, à la tête d'une entreprise américaine, j'investis en France. J'investis 45 millions dans la recherche, dans les transports. J'ai investi dans la santé cette année. J'ai recruté 400 ingénieurs supplémentaires sur le site de Belfort. J'en ai recruté une centaine sur le site du Creusot. Et on prévoit, dans les 2 ans qui viennent, d'embaucher 1 000 personnes supplémentaires. Je ne le fais pas par naïveté. Je le fais tout simplement parce que je crois qu'il y a ici, dans notre pays, les ressorts de cette croissance durable et de ce nouveau capitalisme qui s'appuie sur les vrais points forts de chacun d'entre nous. Quelles sont les attentes, quels sont les gestes finalement que l'entreprise doit faire pour améliorer sa relation avec l'opinion? Eh bien, je crois qu'il y a deux directions, deux grandes directions qu'attendent les Français. C'est
moi je résumerai ça avec le mot de partage, c'est le partage avec l'environnement, avec la société, donc une responsabilité sociétale, on appelle ça la responsabilité sociétale ou citoyenne, on a vu des exemples à travers ce film, donc un engagement plus profond de l'entreprise avec son environnement, et puis un engagement également ou de nouvelles formes de partage au sein même de l'entreprise, entre direction, actionnaires, les différentes parties prenantes et bien sûr les collaborateurs. Et on voit que les entreprises qui réussissent à construire une image positive aussi bien en interne qu'en externe, aussi bien avec leurs collaborateurs qu'avec l'environnement extérieur, avec l'opinion, eh bien, ce sont des entreprises qui ont compris ces nouveaux mécanismes de partage et qui prennent des engagements et des initiatives fortes en matière de partage. Alors, je ne vais pas citer trop d'exemples, mais ça peut être le partage des bénéfices, ça peut être l'association au capital, ça peut être les stock options qu'on a beaucoup critiquées dans certains médias, mais qui, pour ceux qui en bénéficient, pour les salariés qui en bénéficient, pas seulement les cadres dirigeants, mais l'ensemble des collaborateurs qui en bénéficient, sont largement appréciés. Quand on fait des études sur le sujet, l'actionnariat salarié, bon, toutes ces nouvelles formes de partage des bénéfices sont, à mon avis, des pistes intéressantes à suivre pour améliorer à la fois l'image des entreprises, mais aussi tout simplement la confiance. Parce que ça, c'est un mot qu'on n'a peut-être pas suffisamment utilisé. Changer le monde, oui, mais avant de changer le monde, il faut peut-être sortir de la crise. Et pour sortir de la crise, il faut recréer de la confiance. Et cette confiance, elle passe, je crois, par des gestes, des engagements, des initiatives fortes de la part des entreprises. C'est pas la seule chose en jeu, mais c'est tout de même un point important. Henri Lachmann, vous êtes à la fois, bon, vous réfléchissez sur la société, hein, avec l'Institut Montaigne, et puis vous êtes un ancien entrepreneur. Alors, juste une petite question. Est-ce qu'on est en train de sortir de la société de consommation telle qu'on l'a vécue après les années 70, c'est-à-dire on achète, on jette, hein, et c'était pas grave. Alors la crise, le développement durable, est-ce qu'on est en train de sortir de cette société de consommation? Et vous, comment vous voyez le changement, les choses les plus importantes à faire à la fois de la part des pouvoirs publics et du chef d'entreprise que vous avez été? Je ne suis pas sûr que l'appellation société de consommation soit bonne. Je pense qu'il y a d'autres dimensions à la société. D'abord, je voudrais vous dire qu'Ashoka est une très belle organisation qui existe en France, hein. Que là, vous avez eu que des exemples américains ou pas trop américains, mais Ashoka a une division en France et ils sont à plein dans l'économie de marché. À plein dans l'économie de marché. Et ils ont des projets assez formidables. Deuxièmement, pour revenir sur ce que disait Nicolas, le rôle des citoyens dans le développement du bien-être ou dans le progrès, je crois franchement, voyageant énormément, je pense que la France est un vrai déficit de collectif et un vrai déficit de solidarité. On attend tout de l'État, on n'attend rien de nous-mêmes. Et quelque part, et toi, le ciel t'aidera pas, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Et je crois qu'il faut opérer ce changement. Troisièmement, pour réagir au mot partage, je suis tout à fait d'accord. Une entreprise, c'est un projet à la fois économique et social. Une entreprise, c'est la création de richesse pour les quatre types de populations dont je parlais tout à l'heure. Les actionnaires, les clients, c'est fondamental, les collaborateurs et les territoires sur lesquels nous opérons. Et je crois que le virage est en train d'être pris. Je pense qu'on pense beaucoup plus à ces différents acteurs qu'on ne le pensait auparavant. Pour moi, le profit n'est pas un objectif, c'est un moyen et surtout une discipline. Parce que c'est une discipline pour être efficace. Malheureusement, ça a été détourné et on s'est fixé, ou le monde financier nous a fixé des objectifs de rentabilité. Mais je pense qu'on est en train d'en sortir. Je pense que la deuxième étape qui est en train de se produire maintenant et que des entreprises comprennent aujourd'hui, c'est que la performance sociale est un élément clé de la performance économique. Ça n'est pas la performance économique qui fait la performance sociale et qui permet de mieux payer ses salariés. C'est parce qu'on fait de la performance sociale et donc, comme le dit Henri, on sait équilibrer le poids de tous les acteurs et de donner le retour, la reconnaissance nécessaire à nos collaborateurs pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes,
qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils se sentent eux-mêmes reconnus, respectés, appréciés et qui font que non, ils sont contents de venir au bureau, mais qu'ils apportent leur propre richesse, j'utilise encore ce mot. Et donc, on est en train d'essayer de faire des mesures pour mesurer cette performance sociale, pour faire comprendre que c'est toute la question de la responsabilité sociale et environnementale, que les entreprises, en travaillant leur performance sociale, en réalité, travaillent leur performance économique. Oui, messieurs, dames, bonjour. D'abord, merci de consacrer du temps, parce que c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est rentable. Non, c'est une boutade. Il y a quelque chose qui me... Je vais peut-être un peu être moins consensuel. Voilà. Il y a quelque chose qui me gêne et qu'on n'aborde pas. Il y a l'obsolescence, certes, mais il y a la multiplicité des produits. Moi, je peux vous dire que quand je vais voir dans les magasins les gens qui sont perplexes devant les rayons de lessive, les rayons d'huile, etc., quel est l'intérêt, si ce n'est la consommation pure et simple, en quoi ça correspond à des besoins vitaux, sachant que ça a des incidences sur les prix et sur les choix des consommateurs. Donc ça, c'est la multiplicité des produits qui me pose problème. Bien. Ben, dans ce pays. Attends, j'ai trois questions. Une question par personne. Je suis très ferme parce qu'il y a peu de questions. Alors, donc, une question par personne. Je finis avec cette multiplicité. Étant entendu que si ça doit répondre à des besoins pour faire vivre une entreprise, comment faire régler cette schizophrénie dans le dialogue social entre la défense des intérêts des salariés et la défense du tiers-monde dont on voit en eux surtout des consommateurs, notamment les délocalisations. Voilà, question. Vaste question. Alors, sur cette multiplicité de produits, la concurrence libre, ouverte et en même temps, est-ce qu'il y a du gâchis ? Deuxième question. Alors, la délocalisation, qu'est-ce qui veut s'y mettre ? D'abord, fort heureusement, je crois que... Enfin, il faut faire attention de ne pas avoir des raisonnements uniquement de pays riches. C'était la même chose sur l'obsolescence des produits. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, dans le monde... il y a encore beaucoup de gens pour lesquels l'accès à des services de base est extrêmement compliqué ou n'existe pas. Et donc, le problème de l'obsolescence ou de la multiplicité des produits, ça, c'est vrai que c'est un problème de pays riches. Deuxièmement, heureusement, l'économie... Mais peut-être que quand même, on peut y avoir une petite réponse. Mais on va avoir une réponse, qui est que, heureusement, le système économique, et ça fait partie des apports du capitalisme, c'est que... On a maintenant un système de production qui est donc qui s'occupe uniquement de la production, mais qui remplit beaucoup plus que j'allais dire les services vitaux et qui offre de plus en plus, et y compris donc dans des pays émergents, effectivement une gamme de choix aux consommateurs. Mais derrière, le consommateur, il est libre de choisir d'acheter ou de ne pas acheter. Sur le basculement vers le sud, je voudrais quand même rappeler que aujourd'hui les pays émergents sont effectivement des pays qui produisent 52% de la production industrielle. Ils disposent de 80% des réserves de change. Ils font les deux tiers des levées de fonds. Ce qui veut dire que le Sud n'est pas seulement un réservoir de main-d'œuvre peu chère, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais c'est très heureux parce que le développement, la dynamique du développement est à l'œuvre, parce que les salaires augmentent, plus 20% en un an en Chine, parce qu'on a des débuts de protection sociale qui se mettent en œuvre, et c'est très heureux. Eh bien, c'est aussi maintenant de grandes zones de consommation, et par ailleurs, ce sont des gens qui ont de l'épargne, du capital, et qui l'utilisent de manière de plus en plus efficace. Donc, c'est certes pas un paradis, il y a beaucoup de choses qui... La Chine, en même temps, est devenue le pays le plus inégalitaire du monde, et ça leur pose maintenant, à eux aussi, d'énormes problèmes. Mais voilà pourquoi, si vous voulez, dans les débats qu'on a, et certes, le cas français est extrêmement particulier, et il n'est pas très réjouissant, mais gardons quand même une vision de ce qui se passe dans le monde. Je terminerai juste par cette notation historique, mais qui est très importante. En 1700, l'Inde et la Chine faisaient 25% du PIB mondial tel que les historiens ont pu le reconstituer. En 1975, ils étaient, alors que ce sont des masses effectivement très importantes, la Chine, c'est 23% de la population mondiale, et ils ne représentaient plus que 3% de la production. Et ben, c'est vrai qu'on ne pouvait pas trouver ça satisfaisant. Donc,
Attention, les délocalisations d'ailleurs ont un impact extrêmement limité sur le chômage dans les pays du Nord, mais il faut absolument, et c'était bien montré, non, y compris non, par ce qu'on a vu sur les communautés tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de pouvoir travailler, vendre, innover, investir partout dans le monde, c'est un vrai progrès.